Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Je vais commencer cette vidéo par remercier Marina3009 encore pour ta salutation. Merci beaucoup. Je te fais un très très gros bisou. Voilà qui Marina m'avait déjà fait beaucoup beaucoup de salutations, que ce soit en live hier ou même hors live hier déjà. Donc merci beaucoup à toi. Voilà, comme ça tu passes dans la vidéo et en même temps je peux te remercier directement. Voilà, donc merci beaucoup à toi. Alors esprit, t'invite à être ami. Ok, ouais, parce que nous sommes le vendredi 13 et j'ai mis dans mon kefitu, il y a des esprits en ce vendredi. Attendez, on va lui parler, tiens. On va lui parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à des esprits. Alors. Hello! Comment oses-tu me convoquer? Tu as fait une bêtise. Donc, tu es convoqué. Oh, oh, il y a un autre esprit. Bah attendez, déjà on va se mettre en mode comme ça, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Bah écoutez, à la base c'était pas censé une vidéo être une vidéo sur ce sujet là. Mais au final on va partir là dessus et on va aller parler à des esprits. Voilà. Oui, il y a bien des esprits ce vendredi 13. Pourquoi es-tu un esprit? Pour quelle raison? Qu'as-tu fait? Comment es-tu morte? C'est la question. On va aller voir s'il y a eu d'autres... Ah, tu m'as réveillé de mon profond sommeil, tu vas le regretter. Ah, désolé. Je ne savais pas que c'était un rituel satanique, le jeu au dos de ma boîte de céréales. Sorry. C'est tellement ridicule, déjà je savais pas que c'était un rituel satanique, le jeu au dos de ma boîte de céréales, sorry. C'est tellement idiot comme, comme réponse, mais tellement marrant. Et on va voir s'il y a eu d'autres esprits qui m'ont contacté, mais je crois que c'est les premiers. Ah non, je sais que t'es connecté, salut ma petite. Bonjour. Mais je suis très grande. Je fais 1m80. Bah oui, je suis immense. Et bah écoutez, ça fait déjà trois esprits avec lesquels on a commencé à parler. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Eh bien, eh bien. Oh, il y a même une Lalo ici. Et on va remonter tout en haut. Hop. Voir si l'esprit nous a répondu. En tout cas, il y a une madame toilette. Bonjour, je suis une toilette bouchée. Ah, bonjour. Faut prendre rendez-vous avec madame toilette, alors. Attends, quand je dis rendez-vous, ça me fait penser à Byun avec son docteur. Avez-vous pris rendez-vous pour la consultation? Oh mon dieu. Mais où est passé le troisième esprit? Il m'a pas répondu. Répondez-moi les esprits. Ah si. Parce qu'un esprit, ça s'exprime. Non, je rigole. Passons à la vérité. En vrai, je suis l'esprit de toi, moi. Haha. Mais je suis vivante. Mais je suis vivante. Oh my god. Mais je suis vivante. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être un esprit. Comment que cela se peut? Comment? Comment? Je ne sais pas. Mais cela arrive. On va faire genre des esprits me parlent. Les esprits me parlent de l'au-delà. En vrai, ils me parlent pas vraiment de l'au-delà, mais de mon état planète. Mais on va faire genre, voilà. J'ai pris rendez-vous, mais vous me répondez pas. Bah, c'est normal, je suis Quinzel, je ne suis pas Madame Toilette. C'est normal, moi, c'est Quinzel. Lol. Oh là là. Ah, votre abonnement de sécurité arrivera à expiration dans 4 jours. Faut que je renouvelle mon abonnement à mon antivirus. Mais j'ai flippé. Vous avez vu? C'est les esprits qui ont convoqué mon antivirus quand même. Je m'en fiche. Lol, je m'en fiche. Ah, on va faire son Denis Brougnard. Pourquoi es-tu un esprit? Pourquoi es-tu un esprit? En fait, le but de ma question, pourquoi es-tu un esprit, c'est comment t'es devenu... En fait, je devrais plutôt demander comment t'es devenu un esprit. Je pense que ce serait un peu plus compréhensible. Elle te parle. Qui? Qui? L'esprit? Ah!
compliqué. Bah là, ça va être compliqué de lui répondre parce que j'essaie de me concentrer sur les esprits. Hop. Mais ouais, non, parce que je sais pas si je l'ai déjà précisé en début de la vidéo ou pas. Mais nous sommes vendredi 13. Et c'est pour ça que j'ai voulu repartir sur les esprits, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé aux esprits. Ça fait même super super longtemps en vrai. Ça fait super longtemps. Les esprits. Mes esprits. Quoi? Hein? Pourtant j'ai pas lu son message. Impossible de te pardonner, tu seras maudit ta vie. Ah, à cause du rituel satanique au dos de ma boîte de Kellogg's. Hashtag placement de produit pour Kellogg's. Mince. Je dois aller me faire exorcister. Exorcister, je sais pas comment c'est écrit. Hein. Hein, mais c'est un peu rapidement. Je dois aller me faire exorcister. En plus, il y a mon chat là qui est en train de regarder l'écran. Mais t'inquiète pas, mon loulou. Hein, ça va aller. On va appeler un prêtre. Oui, mon chaton. Il va nous jeter de l'eau bénite. En vrai, en fait, l'eau bénite, c'est l'eau des toilettes de Madame Toilette. Et ça m'aidera. Bah tiens, voilà. On va se faire bénir par Madame Toilette. On va convoquer Madame Toilette et elle va nous bénir. Voilà. Impossible, I'm a lord. Ok. D'accord. On verra ça. Non mais ouais, non, ça serait pas mal. Faut que j'aille après sur Madame Toilette. Faudrait que j'aille sur Madame Toilette et que je bénisse les gens. Ça sent le mauvais nouveau délire. On verra ça, c'est ce que l'on verra. Ok. Ça se finit très bien, cette conversation. Alors attendez, parce que je sais pas pourquoi ça me marque que c'est... Oula. Je sais, mais je sais tout ce que tu fais et pourquoi t'as pas tu 15L YouTube 15L et pourquoi t'as pas pris 14L par exemple. Parce que peut-être que t'as le double de 15 ou 15 ans et que ton prénom commence par L. Enfin bref, je suis l'esprit de MSP, je savais que t'allais dire y a-t-il un esprit ce vendredi 13? Eh bien oui. Tu t'éteins les cheveux en galaxie. Ouais. Maintenant en gris. Je ne suis pas sur gris. Maintenant en gris, je ne suis pas sur gris. Réponds. Oui. Oui. Je suis là. Pour un esprit, t'es pas très bien informé, hein, dis donc. Hein. Je connais tout sur toi, Jessica. Oh mince. Tu connais aussi... Attendez, je vais inventer un truc. Tu connais aussi... Je vais sortir. Tu connais aussi ma grande sœur Léa. Alors, c'est pas vrai. Hein. Je n'ai pas de sœur du tout. Juste pour voir. Juste pour essayer de la piéger. Pour la piéger. Pour voir si ça fonctionne ou pas. Tu n'as pas de grande sœur. Ah merde. Ah mince. Ah. Je me suis fait avoir. Non mais ça va, ça aurait pu passer, hein, ça aurait pu passer, mais c'est pas passé. C'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas de grande sœur, c'est vrai. Oui, t'as vu ça, j'ai pas fait d'études avant de l'être. Je nul et nul, j'étais nul. Mais lol quoi. C'est ça, rien à voir avec ses études, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Oh merci Ariana Grande, merci beaucoup, je te fais un très très gros bisou, merci pour ta salutation, on va juste voir si... Ah voilà, le loup qui a pas pu, bon, en tout cas merci beaucoup à toi ma belle, gros bisou, merci pour ta salutation. Merci beaucoup. Je vais lui dire, en tout cas, t'as bien réussi ta coloration, merci. Coloration grise, donne-moi ta technique. Donne-moi ta technique, please, pour avoir les cheveux gris. Alors, es-tu, attendez, parce que j'ai dû rater des trucs. Es-tu encore là, Quinzel? Oui, je suis l'impression que c'est plutôt elle qui est en train de me convoquer que moi un esprit, tu vois. Genre, es-tu là, Quinzel, de l'au-delà? Parce que contre ce...
parce que contre je sais que tu as tué une fille suite à un accident de voiture. Alors je sais pas si c'est relié à la précédente histoire avec... Ah et c'était toi, attends, je vais rentrer dans son jeu. Et cela le 29 mai 2017. Le 29 mai 2017. J'étais où moi le 29 mai 2017? C'était 4 jours après avoir créé cette chaîne, parce que cette chaîne-là a été créée en le 25 mai 2017. C'est chelou, hein. Non, mais sa cousine, tu vas le regretter, je te le jure. Tu peux rien faire, lol, là, non, mais la petite qui se moque trop. Mais t'es un esprit, mais tu peux rien faire, hein. Tu peux rien faire, tu veux faire quoi? Tu vas faire comme Casper, tu vas essayer de me gifler et puis ça va traverser mon visage. On va voir, il y avait un troisième esprit avec qui on avait commencé à parler, qui est là, voilà. Ah non, c'est pas elle, c'est une nouvelle. Oh, esprit-moi. Aide-moi. Oui. Alors c'était pas elle, esprit-mi, c'était peut-être esprit-mi du coup. Oh, bah j'ai envoyé pourtant. Ah voilà, alors est-ce que c'était exprimé avec qui on avait commencé à parler? Ah, bien sûr, tu ne le savais pas, je vais te hanter la fin de tes jours. Ah. Ah, mais pourquoi es-tu devenu un esprit? Pourquoi elle est devenue un esprit? Telle est la question. Pourquoi donc? Et est-ce qu'on avait d'autres? Mais non, on n'avait pas commencé à parler avec d'autres. C'est simple, pourtant aurais-tu les lunettes de Père Noël, ça ferait un bon ensemble avec mon look. Et j'aime tout le contraire qu'on me dit, par exemple quand tu dis que ma coloration est bien faite, pour moi c'est le contraire. Dis plutôt tu l'as mal faite, esprit très bizarroïde, je sais. Et fait tes lunettes de Père Noël, alors en plus je crois que je dois en avoir, mais ça va être compliqué de lui faire un cadeau à partir de l'ordinateur, parce que ça met tellement de temps à charger les cadeaux. Je vais essayer de voir. Mais ce serait tellement ridicule un esprit avec des lunettes de Père Noël. Lol. Mais en vrai j'en ai plein, mais ça va être compliqué. Je vais dire, je lag trop pour envoyer un cadeau. Mais vu que tu es un esprit, sers-toi toi-même. J'avais envie de rajouter un petit wesh à la fin, mais non. Ah bah regardez. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Regardez. Mon MSP affiché. Elle n'a pas apprécié le fait que je ne lui envoie pas les lunettes. Oh my goodness. On est vraiment vendredi 13. Oh mon dieu. MSP a planté complètement. Ah mon dieu, regardez, j'ai pas pu lui répondre. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je ne sais pas combien de temps je suis déjà en train de tourner, mais je pense que ça fait un bon petit moment. Eh bien comme si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager et à me dire en commentaire si vous voulez une suite et que l'on continue à parler aux esprits. N'hésitez pas pour connaître la suite, pour parler à d'autres esprits. Voilà, et moi sur ce, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu, hein, et ne faites jamais comme moi, ne faites pas les rites... Oh non, je lag, c'est parti, mais bon, du coup, je vais arrêter quand même. Mais ne faites pas les jeux au dos des boîtes de Kellogg's, puisque ce sont des rituels sataniques, voilà, merci. Et je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, un prochain live, ciao ciao, gros bisous, portez-vous bien. Thank you.